Bien. Bien, merci beaucoup pour avoir répondu à notre rendez-vous habituel. Et tel que vous avez dit là tantôt, de manière exceptionnelle, ça se tient le mercredi, parce qu'il y a eu beaucoup de perturbations qui ne nous ont pas permis de tenir ce point de presse habituel le lundi. Et nous tenons sincèrement à nous en excuser. Alors, parlant de la situation épidémiologique, tel que vous le savez toujours, nous commençons par le volet Ebola pour terminer avec les éléments en lien avec la COVID. Lorsque j'essaie de voir la situation épidémiologique en lien avec la maladie à virus Ebola, on n'a notifié aucun cas positif pour la maladie à virus Ebola. Nous avons reçu 135 échantillons. Tous les 135 échantillons qui étaient reçus, du moins ça c'est la semaine 31, étaient négatifs. Mais pour la semaine 32 qui vient de prendre fin, nous avons reçu 96 échantillons. Et vous constatez que c'est un peu moins que la semaine antérieure où c'était 135. Et vous allez vous demander pourquoi. Ben voilà, c'est vraiment lié à la grève des prestataires. Avec ça, on constate qu'il y a de moins en moins la remontée des échantillons. Alors, pour le volet Ebola, on a dit qu'il n'y a rien à signaler. Par contre, pour le volet Covid, il y a de plus en plus de nouveaux cas. La semaine 32, nous en avons enregistré 242. C'est vrai, ça a tendance à être un peu moins que la semaine antérieure, qui était les 309. Mais en termes de nombre, il y a toujours beaucoup de nouveaux cas. Alors à ce jour, du moins la semaine 32, le cumul de l'antenne DPS donnait un chiffre de 2350 confirmés, avec une létalité de 9,3% pour dire 219 décès dès la déclaration du premier cas notifié. Alors, quelles sont les zones qui sont les plus touchées? C'est pratiquement les mêmes zones habituelles, en sachant que c'est Katoa qui vient toujours en première position, avec 630 cas confirmés, suivi de Butembo avec 474, Beni 414, Kiondo 236 et Mousséléné 142. Et là, comme je le dis, c'est vraiment en lien avec la semaine 32. Bien sûr, les 2 jours passés, il y a eu aussi de nouvelles notifications. Alors, quelle est la répartition de ces 242 nouveaux cas de la semaine 32? Pendant la semaine 32, il y a les zones qui ont remonté. Nous commencerons par Alimbongo, qui en a notifié 4. Donc, Alimbongo 4, Butembo 45, Kalunguta 4, Katwa 63, Kaina 6, Kiondo 16, Mangurujipa 4, Masereka 14, Mousenene 5, Vuovi 7, Beni 70, Kamango 3, Oicha 1 cas confirmé. Donc c'est vraiment Beni qui avait notifié le plus de cas pendant la semaine 32, suivi de Katwa, puis Butembo. Alors, qu'en est-il de la positivité au niveau du laboratoire? Et là, comme vous le savez toujours, nous prenons le laboratoire de Beni et le laboratoire de Butembo. Butembo a reçu 533 échantillons. Sur les 533 échantillons reçus, 168 étaient positifs, pour dire une positivité de 31,5%. Tandis que Beni en avait reçu 250, et parmi les 250, 74 étaient positifs, ce qui représente une positivité de 29,6%. Quant à l'antenne DPS de manière générale, c'est-à-dire le cumul de Beni et Butembo, nous avons reçu un total de 783 échantillons. Parmi les 283, 242 étaient positifs.
ce qui représente une positivité de 30,9%. Au niveau de l'antenne, nous avons aussi enregistré des décès communautaires. J'ai parlé de la positivité de laboratoire, mais les décès communautaires, il y en a eu. Et la semaine 32, nous en avons enregistré 22, répartis de la manière suivante: Béni en première position avec 9 décès communautaires, suivi de Katoua avec 4 décès communautaires, Boutembo 3 décès communautaires, Kalunguta 2, Mangurujipa 2 et Vuovi 2. Avec ça, même si on a eu un peu moins de cas confirmés pendant la semaine 32, mais nous avons eu beaucoup de décès communautaires. Et là, s'illustre par les chiffres suivants. La semaine 30, on avait 14 décès communautaires. La semaine 31, nous en avons enregistré 13. Par contre, la semaine 32, nous en avons enregistré 22. Telle est la situation en lien avec les décès communautaires enregistrés au sein de l'antenne d'EPS. Alors, qu'en est-il de la situation au niveau de cet écho? Pour la semaine 32, le CETECO, quand je prends la zone de santé de Boutembo, au niveau des cliniques universitaires du Graben, nous avions deux patients qui étaient là, dont un sous oxygène. Il y avait cinq patients à Kitatumba qui tous étaient quand même stables. On a eu 12, 4, 12, pardon, 12 hospitalisés à l'hôpital général de référence de Katoua, dont 5 étaient sous assistance respiratoire. Malheureusement, là, on a enregistré 2 décès. Quant à Matanda, nous avions 7 patients hospitalisés, dont 2 étaient sous assistance respiratoire. Et là, nous avons enregistré un décès. Quant à Mukuna, là, il y avait 2 patients hospitalisés qui étaient bien sûr stables. Angoté, c'était la même situation. 2 patients hospitalisés, mais en état de stabilité. Par contre, à Béni, nous avions 4 patients hospitalisés qui étaient aussi stables, mais on a enregistré un décès. Alors, avec ça, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des problèmes, il y a des défis à relever. Les défis à relever, bien sûr, on vous avait déjà dit qu'il y avait un souci par rapport au kit de prélèvement, et ça continue à être un problème. Nous n'en avons pas assez. Il y a un problème toujours en lien avec les médicaments. L'autre problème majeur, c'est vraiment la grève des prestataires. Vous êtes rendu compte que pour les aspects Ebola, par exemple, on n'a reçu que 96 échantillons. Pour dire 96 échantillons pendant que la semaine antérieure, on en avait reçu 135. Donc ça reste un problème, mais on est en train de demander à nos chers frères et sœurs d'assurer quand même un service minimum. Et beaucoup ont commencé à comprendre. L'autre grand défi, c'est vraiment cette faible adhésion aux gestes barrières, le respect des gestes barrières. Très peu de gens essaient de s'y conformer, mais la grande partie de la population continue à ne pas respecter les gestes barrières. Et lorsqu'on voit tout ce qui se passe dans les lieux de deuil, au niveau de la morgue, quand on va récupérer les corps des défunts, des personnes décédées, dans la communauté de manière générale, on se rend compte que le problème des cartouches au niveau de l'antenne, pas des cartouches, mais plutôt des modules au niveau de Béni. L'INRB Béni n'a pas assez de modules qui fonctionnent correctement. Et avec ça, vous comprendrez qu'ils ne savent pas analyser beaucoup d'échantillons, ils ne savent pas réaliser beaucoup de tests. Les cartouches, là j'avais dit qu'on en avait reçu, donc pour l'instant les cartouches, ce n'est pas un problème. Alors, peut-être on va essayer de conclure avec la bonne nouvelle,
c'est qu'on a reçu un lot de vaccins à Goma. Et au niveau de l'antenne, nous attendons de recevoir notre partie pour qu'on puisse continuer avec la vaccination. Voilà les quelques éléments qu'on peut partager avec vous. Et s'il faut essayer de faire une petite synthèse en swahili, telle qu'on le dit toujours, Nawashuku.